Non, je suis à l'extérieur. J'ai tout. Nous te vin dans CEPA et c'est sous demande CEPA, CEPA te écrit nous pour te rencontrer nous encore une fois après première rencontre nous te fait avec eux. Yo te gè des questions nous te poser yo, yo pas en mesure pour te répondre rapidement. Eh bien, il était nécessaire pour te gon l'autre rencontre, yo te ouais avec différents directeurs technique yo, et c'est ça qui t'a fait nous t'es capable de marquer t'es un directeur exécutif là qui t'es sous table à tout qui t'a répondu à différentes questions à différents questionnements nous t'es gagné sous processus électoral là et nous sortis en quelque sorte édifiés et nous croyons que jodi a c'est les autres acteurs c'est-à-dire que l'exécutif le législatif plus spécialement les 6 sénateurs qui beaucoup cavlé by quorum pour faire et amendement électoral là. Nous souhaitons encore une fois et faire appel à la sagesse de ces sénateurs pour le bien du pays, pour le bien de la République. Il est nécessaire aujourd'hui pour nous gagner un amendement électoral là pour nous faire élection le plus tôt possible. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas qu'un chaos, nous n'avons pas qu'à mettre le pays dans une situation difficile. Et nous à la veille d'un siècle de 2015. Et ça, nous avons planer sous tête Haïti là, son lot 2015, que nous pas souhaité. Et nous dit sénateurs, nous pas. Non pas quoi yo youn nan yo ta espérer que yo responsable que ou bien c'est youn nan yo même c'est yo un acteur qui fait que Haïti connaît yon lot et 1915. Édification c'est dire que gade des de problèmes qui te gagne nan bedio yo expliquer nous processus ça comment te yé et comment yo arrivé installer différents présidents vice-présidents secrétaires bedio nous édifier dans le sens que yo dit nous comment cob yo gagne nan main yo et yo comment qui ça yo comment ça fait te gagne nous connaît en pile côté dans pays a en pile monde qui te gagne caille dit que yo pas praler yo pas praler et yo pas payer yo pas bailler CEPA opportunité pour louer caille ça encore. Et c'est des gens qui ont été depuis plus de 5 ans déjà. Et que les gens qui ont eu un processus pour payer, ils ont censé presque la finalisation pour payer tout le monde qui a loué CEPA et CEPA, qui a été dette envers eux. Et nous comprenons que journée aujourd'hui, il a mis toute mise au point pour permettre à ce que l'élection en fait le plus tôt possible, en attendant, comme vous avez toujours dit depuis la première rencontre, et que vous gagnez un moyen légal dans main, qui c'est soit l'amendement électoral voté par le sénateur, soit l'article 12 de l'accord d'El Rancho, et même d'autres opportunités que la Constitution et tout autre cabayo et qui va permettre que Chita soit en conseil pour yo décider, y suivre et pour yo faire élection le plus tôt possible. Est-ce que nous devons comprendre l'initiative de rencontre de CEPA qui prend yo? Non. C'était nous-mêmes qui demandons à CEPA en la première rencontre là pour nous connaître qui étape et qui ça a fait. Parce que c'était comme si nous ne pas comprendre, nous ne pas comprendre, nous ne pas sentir que CEPA a avancé vers les élections. Et que là, nous sommes arrivés dans la première rencontre là, nous avons battu 2-3 détails. Mais nous avons gagné des chiffres, nous avons besoin d'appui, nous avons besoin de gagner des preuves et qu'il y a avancé vraiment. Et bien, je dis à c'est connu de tout le monde et gagner différents. Bête dans le pays qui est déjà installé. Et semaine prochaine, il y aura un processus Bekyo. C'est-à-dire que c'est dans le deuxième rencontre, ça, c'est eux-mêmes qui étaient à le mettre au prêt pour te répondre à différents questionnements. Tout dissipé, qu'on y a avant bac. Oui, nous sommes prêts. L'organisation L'Avenir est prêt pour les élections et les 38 partie du groupe d'appui aux élections. Faut dire que le groupe d'appui aux élections a plus que 38 partis. Nous n'avons plus de 50 de partis politiques. Maintenant, qui est prêt pour aller à l'élection? Et nous dit que le candidat est un petit peu affaibli. Non? Et ça nous a carrément une campagne officieuse qui a mené depuis plus de 2 ans. Et que je dis, il y a besoin d'aller à l'élection. Et nous-mêmes, nous sommes prêts pour aller à l'élection. Et quoi que pays a tout prêt pour aller à l'élection. Seulement, encore une fois, nous faisons appel à sagesse sénatoriale pour comprendre la nécessité pour accompagner PIA et nous dit bravo à l'exécutif qui lui-même engagé enclenché dans un processus de dialogue de temps de tout le monde. Tout le monde dans PIA nous dit bravo au président de la République et bravo à l'exécutif. Et nous-mêmes, encore une fois, nous continuons à rencontrer les acteurs pour que nous cajons une issue de cette crise électorale le plus tôt possible.